13 juin 1921, c'est la constitution de la municipalité de Saint-Amable, elle-même un détachement de Saint-Marc-sur-Salieu, Saint-Mathieu-de-Belleuil et Sainte-Julie. Le village compte alors environ 500 habitants venant des villes et villages autour. C'est ici que l'histoire de Saint-Amable commence. Mais ça, c'était il y a près de 100 ans. La ville a énormément évolué depuis, mais une tache reste collée sur la précieuse image de la ville. Ton amour a changé ma vie. Sans toi, je n'étais plus rien. Mais le jour où mes yeux ont rencontré tes yeux, mon cœur est tombé. Cet amable souffre d'une réputation bâtie sur des préjugés. Un en particulier nuit à la ville plus que les autres puisque cela affecte directement son économie. En effet, on dit que la population de Saint-Amable est moins riche et moins éduquée que celle des villes avoisinantes. Mais pourquoi cela? Tout d'abord, la ville se situe dans la région de la Montérégie. Elle établit des frontières avec 5 municipalités. À cette époque, les relations sont difficiles car des préjugés font barrière. Peu à peu, cette barrière tombe et les échanges sont enfin possibles. En 1930, Saint-Amable prospère dans un Québec très religieux, axé sur les familles nombreuses et la vie rurale. En plus, les sols de la région sont très fertiles et donc encouragent la production agricole, notamment la production de la pomme de terre active jusqu'en 2006. La ville de Saint-Amable fut durant longtemps renfermée sur elle-même au point de refuser de l'immigration sur son territoire. En effet, suite à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs immigrés juifs arrivent au Canada. La très forte influence de l'Église catholique sur la ville encourage à refuser catégoriquement l'arrivée de ces immigrants à Saint-Amable. Puis, après la Révolution tranquille de 1959 et la séparation de l'Église catholique, on observe une explosion démographique passant de 1000 habitants en 1940 à 2000 en 1960. La population double littéralement en seulement 20 ans. Aujourd'hui, on dénombre plus de 12 000 habitants venant de partout au Québec, mais également de partout dans le monde. Je me présente. Michel Langis, directeur de l'école de l'Envolée. Point de vue démographique, la petite municipalité de Saint-Amable est la municipalité qui a connu, dans les 5 dernières années, la plus haute croissance au niveau démographique. J'explique un peu pourquoi. Je vous dirais que les deux municipalités voisines, qui est Varennes et Sainte-Julie, ont de moins en moins d'endroits où on peut construire des unifamiliales ou des condos ou des blocs, qui fait que la municipalité Saint-Amable est un endroit où on a la possibilité de le faire. Donc, les jeunes familles se dirigent de plus en plus vers Saint-Amable. Pourquoi connaîtrait-on Saint-Amable aujourd'hui? Eh bien, les raisons sont peu nombreuses. En effet, on la connaissait que si on avait de la famille là-bas ou si on y faisait affaire. Mais comme je disais, Saint-Amable avait pour moteur économique l'agriculture. Donc forcément, si on y faisait affaire, c'était pour travailler dans les champs. Cette image reste accrochée à la ville aujourd'hui encore, malgré que cette époque rurale soit terminée et que la ville ait connu un essor urbain considérable. On remarque une ouverture sur le reste du Québec assez importante, une explosion du taux d'immigration avec de nombreuses jeunes familles et des commerces. On sent un véritable changement. Mais les commerces sont fréquentés par des gens de Saint-Amable, et même souvent gérés par des gens de Saint-Amable. À l'intérieur de la municipalité pour pas que cette municipalité devienne une ville dortoir. Vous savez, dans les alentours, il y a plein de municipalités où les gens vont travailler soit à Longueuil, soit à Montréal, et ils viennent juste dormir, puis ils viennent juste vivre la fin de semaine. Mais pour pas que Saint-Amable devienne ça, il se doit d'organiser des façons pour attirer des industries. Ben, en premier lieu, ben, il y a plus en plus de commerces que vous le portez sur la principale. Deux pharmacies, un McDonald's, un Tim Hortons. Je vous dirais que quand commence à s'implanter ce genre de restaurant à bouffe rapide, ben, c'est de plus en plus, je dirais, ça va attirer d'autres genres de commerces. Les habitants des municipalités environnantes ne viennent donc pas à Saint-Amable pour acheter des biens. Comme ils ne viennent pas à Saint-Amable, ils n'ont comme information sur la ville que ce qu'on leur raconte et ce qu'ils voient à la télé. Disons que Saint-Amable a rarement brillé à la télévision. Comme en 1990, où un terrible feu de pneus se déclare dans un entrepôt.
Les nuages de fumée noire s'élèvent dans le ciel et se déplacent au-dessus de l'île de Montréal et au-delà. Pour la première fois depuis sa création, des milliers de téléspectateurs voient le nom de Saint-Amable à la télé. Une publicité qui restera solidement collée à l'image de la ville. Tout cela montre que le principal problème de la ville n'est pas sa réputation, c'est son invisibilité. Peu importe les améliorations, peu importe les activités organisées, peu importe les infrastructures apportées, la ville restera la même qu'en 1930 s'il n'y a rien pour montrer aux villes voisines les changements colossaux qui ont été opérés au cours des dernières années. Les gens de la municipalité ont le goût que on se donne une meilleure image, puis ont le goût également que les gens ne pensent plus de la même façon, on pense plus Saint-Amable de la même façon. Les gens viennent à Saint-Amable pour acheter une maison à bas prix ou pour des raisons familiales, mais jamais quelqu'un ne s'est dit qu'il irait à Saint-Amable pour faire l'épicerie ou bien pour aller travailler. La ville peut continuer à pédaler dans le beurre ou bien apporter de bons arguments pour attirer une clientèle venant de l'extérieur afin que tout le monde puisse voir que Saint-Amable a bel et bien changé.